bien, salut tout le monde, c'est Fanny Gobrix. Salut, on se retrouve pour une vidéo concernant Lego GTA V. Donc c'est custom, hein. Donc là c'est le début de Franklin. Donc je dis le début puisque ce n'est pas tout à fait fini. Donc parce que j'ai pas les bonnes mains, j'ai pas mis d'expression pour le visage et le t-shirt ne correspond pas à Franklin. Donc déjà je vais vous présenter. Donc une chevelure très fine, hein, puisqu'il n'est pas, il a pas beaucoup de cheveux, hein, Franklin. Donc chevelure noire. Une tête marron, puisqu'il est noir, Franklin. Un foulard vert pour rappeler une mission où il a un foulard. Un t-shirt qui normalement est tout bleu. Donc les manches qui restent blanches. Hein. Donc les mains, je vais voir pour acheter des mains bah, marron, puisque c'est sa couleur. Et bah, le bas qui restera comme ça. Donc là, on va voir mes armes custom aussi. Donc c'est parti. AK-47. Lance-roquette. 9 mm avec silencieux, le C4 et les jumelles. Donc voilà mes 5 armes qui sont présentes dans GTA 5. Donc on va commencer par le C4. Donc c'est vraiment très simple, hein. Donc vous prenez une pièce une fois deux avec juste un tenon et vous mettez une pièce une fois une circulaire ou alors carrée de couleur noire ou de couleur pardon, gris foncé. Ensuite nous avons les jumelles, donc c'est pas custom, hein, bien sûr, c'est des jumelles prises, donc elles sont présentes dans GTA. Vous la mettez pas en arme bien sûr, hein, parce que qu'est-ce que vous ferez avec ça, mais vous l'avez dans le trailer, donc il a des lunettes dans le trailer, des lunettes, des jumelles dans le trailer, hein. Ensuite nous avons la AK-47, donc composée d'une arme comme ceci, sans machin, et plus une main noire. Donc j'avais déjà fait en vidéo, ça c'était pour l'Aelia version Endor. Ensuite, nous avons le 9 mm avec le silencieux. Donc vous pouvez aussi enlever le silencieux. Donc c'est une pièce à friction. Non, pas à friction, mais... Voilà, donc le 9 mm. Et on rajoute ça. Yep, voilà. Le 9 mm avec silencieux. Et pour finir, le lance-roquette, qui est plutôt bien ici, je trouve. Donc vous avez une pièce, une fois une... en couleur or, une petite main robotique, une pièce à friction grise et la même pièce pour faire le silencieux du 9 mm. Voilà. Bon bah écoutez, je vous dis à la prochaine. Donc n'hésitez pas à liker mes vidéos, à vous abonner, à les partager, à commenter et à liker aussi ma page Facebook. Dites-le moi si ça vous plaît déjà et puis j'essaierai de finir. Allez, salut !